Bonsoir les amis, c'est Chevalteuse. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Déjà, désolé pour la qualité, je sais qu'elle est pas bonne, mais bon, c'est pas. Nous allons jouer à Ikido, donc vous allez dire, ah ouais, mais t'as déjà commencé. Non, je n'ai pas commencé. En fait, sans faire exprès, j'ai pris un poney qui était déjà hyper fort, qui était très très fort. Ben du coup, c'est pour ça, mais quand il y aura des poulets, des trucs comme ça, ça, ben, ça sera plus dans le détail. Parce que là, vous voyez, voilà, il est hyper fort. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas fait exprès, j'avais créé un nouveau compte et tout ça. Mais là, je peux pas me déconnecter, ben, du coup, je pourrais pas vous montrer. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Comment, ben voilà. Donc là, on va aller dans la page d'accueil. Donc on suit les consignes. Donc j'avais déjà joué, mais je vais faire comme si j'ai jamais joué. Bienvenue sur Ikido. Moi, c'est Emma. Je vais te guider dans la couverture du jeu. Ok. Flèche. Ma jument s'appelle Gaïa. Donc déjà, c'est une jument. C'est bien. Allons chercher l'ensemble. Ok. On va la chercher ensemble. Elle va être dans les pâtures. Alors, j'ai quand même assez de pièces, mais j'ai pas de passe. C'est pas grave. Aide-moi à prendre soin de Gaïa. Et je te dirai comment devenir la meilleure éleveur. Ok. Éleveuse, parce que je suis une fille. Merci de me dire éleveur. Gaïa participe bientôt à une compétition. Ok. Donc ça, d'accord. On commence bientôt dans une compétition. C'est pas grave. Commençons par l'entraîner en saut pour améliorer ses compétences. Ok, on va l'améliorer en saut parce qu'il paraît qu'en saut, elle est bof bof. Là, elle est géniale, il paraît, en saut. Donc là, c'est bon, on peut pas faire mieux qu'en saut. L'entraînement de Gaïa est terminé. Ses compétences en saut ont augmenté. Oui, ça j'ai vu. Bon, l'énergie descend, mais ça va. Bon, Gaïa a travaillé pendant 3 heures. 3 heures? Ok. Et c'est bien dépensé sa jument d'énergie. ABC. Ok. Bon, bah, c'est bien. D'accord. Oh non, le temps aussi baisse. Donc, je veux bien savoir l'âge de Gaïa. Elle a 10 ans? Ok, elle est vieille. Il est 11 heures. Dans la journée de Gaïa, cool. D'ici 22 heures, il nous reste du temps pour nous occuper d'elle. D'accord. Moi, je dors normalement à 21 heures, mais je vais dormir à minuit s'il faut. Garde un œil sur la santé et le moral de Gaïa. Tout au long de la journée, un cheval en forme aura toujours le meilleur résultat. D'accord, non, mais d'accord. L'entraînement de Gaïa est totalement terminé. Prochaine étape, avant la compétition, l'équipement. Alors, moi, je suis pas trop équipée, je crois, mais bon. C'est pas grave. Plus 200 plus. Ok. 2000. Donc, ah, j'ai oublié. Je dois te montrer où se trouve la boutique. Eh ben oui. Bon, moi je sais, mais bon, on va la tuer. Donc là, c'est tous ces équipements. Donc il faut une selle. Super, il y a une selle disponible. Achète-l'en. Ouais, elle est un peu chère, mais ça va, j'ai beaucoup d'argent. C'est pas grave. J'hésite à en prendre deux. Oh, je verrai ça plus tard. Je mettrai peut-être son poulet en western. On verra. Tu peux avoir que la selle a été ajoutée à la liste des objets. D'accord. Mais elle a un tapis et je crois un filet si j'ai bien. C'est nickel. Un liste des objets. Ah, t'es là. Assez de shampoing. Shopping. Pour le moment. Retournons voir Gaïa. Bon, j'aime pas trop le nom de Gaïa, mais bon. On va laisser comme ça. Hein. Elle s'appelle Gaïa, elle s'appelle Gaïa. Donc, équiper mon cheval. On va l'équiper, oui, on va équiper le cheval.
le joli petit cheval. Valider l'équipement. D'accord. Oh, t'es trop beau. Hé, maman, voici Gaïa. Elle est trop belle et elle est trop forte, regarde. T'as vu toutes les étoiles? Alors, est-ce qu'elle a déjà... Gaïa est prête pour la compétition. Ok. Donc déjà, on va faire la compétition et après, on verra. Donc, Gaïa est particulièrement douée en saut. Choisissons un célesto. D'accord. Ah ouais, c'est bien. Waouh. Ah oui, d'accord. Course de galop, elle arrivait premier. Je crois que c'est première ligne. Oh, chapeau. Ah oui, c'est au CSO. Ça se voit que c'est elle, CSO. On va te mettre CSO, ok. Ah oui, d'accord. D'accord. 500 euros. Bon, j'ai de l'argent. On peut le payer. Waouh, mais c'est cher, 500 euros. Oui, l'énergie basse. Il est 13h. Ok. Super, Léa a bien été inscrite dans la compétition. Voyons voir le résultat. J'espère que t'es arrivée première, Léa. On croise les doigts pour qu'elle arrive première. Hein. Bon, elle arrive première, les gens. Une compétition. Oh, 150 euros, elle a gagné. Merci, Léa. Merci. Oh, t'es trop forte. Oh, t'es trop forte. Gaïa a remporté le premier prix. Merci de ton aide. Pour le coup, je t'offre les 150 écus qu'elle a gagné. Merci Gaïa. Nous avons un pass. Donc maintenant, je vais te montrer une autre boutique utile pour tes futurs chevaux. Le marché noir. Ah oui, ça je connais. On y dépense des passes. Je t'en offre un. Ok, merci. J'ai une passe, c'est bien. Le marché noir permet d'acheter des objets bonus qui te faciliteront bien la vie. D'accord. Marché noir, nous allons. Donc, on allait dans le marché noir. Je ne sais pas si vous voyez très bien, du coup, je n'y. Mais en fait, tu n'as pas encore de chevaux. Ça serait tellement bien d'avoir des poulains jumeaux. Ah, je sais. Un bâton de fertilité permettra à Gaïa d'en avoir près une saisie et j'entelais sur fond. Ah ouais, mais il faut une passe. Oh putain, j'en ai marre de gaspiller mes passes pour ça. Bon, utilisez. Oh merde! Elle a 10 ans, c'est une femelle. C'est bien, c'est une jument. Shetland. Objet. Peut-on trouver ce bâton de fertilité dans la liste des objets de Gaïa? Elle est maintenant prête pour une série. Donc, on va bientôt s'arrêter là, les amis. Je fais juste ça avec vous. Et là, bon. Trouvons un étalon disponible pour Tsei. Donc ça, l'étalon, ça sera pour la prochaine vidéo que je vais faire directement après. Donc j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour de plus une nouvelle vidéo. C'était Cheval Douce. Et bien, ciao. Peace.